Imagine pouvoir gagner de l'argent avec des produits digitaux qui se vendent 24 heures sur 24, même pendant que tu es en train de dormir dans ton lit. En ce moment, de nouveaux types de produits digitaux vont exploser et attirer des clients. Et la meilleure partie, c'est que tu n'as pas besoin de stock, que tu n'as pas besoin de gérer les retours et que tu vas faire 100% de marge. Alors aujourd'hui, on va voir les meilleurs produits digitaux à vendre en 2025 et les stratégies qui vont permettre de maximiser tes profits. Que tu sois un créateur, un entrepreneur ou quelqu'un qui veut tout simplement lancer son premier produit digital, cette vidéo est faite pour toi. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que je vais te partager des stratégies concrètes qui vont permettre de te lancer dès aujourd'hui. Pour commencer, je vais être franc avec toi, il va être 10 fois plus difficile pour toi de vendre des produits digitaux si tu n'as aucune audience. Et c'est pour ça qu'il faut que tu laisses absolument personne te dire que c'est un business facile quand tu n'as pas d'audience sur les réseaux sociaux. Avoir une audience, ça ne veut pas forcément dire montrer son visage comme je le fais, mais tu peux très bien avoir un compte TikTok ou un compte Instagram faceless avec plusieurs milliers d'abonnés sur lesquels tu vas pouvoir vendre des milliers d'euros de produits digitaux. Mais si t'as pas d'audience, ne t'inquiète pas, j'ai quand même pensé à toi. Si tu cliques sur le premier lien dans la description, eh bien, tu vas être amené à une vidéo qui va t'expliquer comment monter de 0 à 100 000 abonnés sur Instagram en moins d'un mois pour pouvoir ensuite vendre des milliers d'euros de produits digitaux. Alors, le premier moyen de commencer à monétiser ton audience avec des produits digitaux, c'est de lancer ta propre communauté payante. L'avantage ici, c'est que tu peux d'abord commencer avec une communauté gratuite pour attirer du monde, tester ton concept et ensuite rendre la communauté payante pour gagner de l'argent tous les mois. Si tu construis quelque chose qui offre vraiment de la valeur, eh bien, tu vas tout simplement gagner de l'argent tous les mois, même si tu n'as pas de nouveaux membres. Imaginons qu'en septembre, ta communauté payante à 10 euros, eh bien, 100 personnes la rejoignent. Ça te fait 1000 euros de revenus mensuels. En octobre, si aucune nouvelle personne rejoint ta communauté, eh bien, tu auras quand même sûrement 1000 euros de revenus mensuels. C'est la puissance d'une communauté payante. Parce que tu récupères des sous tous les mois, même quand tu n'as aucun nouveau membre. Par exemple, tu peux utiliser une plateforme comme Discord pour créer ton groupe de discussion et y inviter ton audience. Au début, tu laisses tout le monde entrer gratuitement et au fur et à mesure que tes membres sont satisfaits, tu vas pouvoir augmenter le prix d'accès petit à petit. Une communauté payante, c'est parfait pour monétiser ton audience, surtout si tu montres ton visage, parce que ça combine un coaching individuel, les conseils personnalisés et un cours en ligne en un seul produit. Ça crée un effet d'entraînement parce que chaque nouveau membre qui rejoint la communauté va ajouter de la valeur à cette communauté et donc les autres membres auront encore plus envie de la rejoindre. Je peux comprendre que ce produit n'est pas forcément adapté à toi, alors le prochain que je vais te proposer, écoute-le bien parce que celui-ci le sera. À mesure que Notion devient de plus en plus populaire, les modèles Notion deviennent un excellent moyen de gagner de l'argent en ligne. Ces modèles permettent aux utilisateurs de gagner du temps, d'organiser leur travail, leur vie personnelle ou même leurs finances. Par exemple, tu pourrais créer un modèle Notion pour aider les gens à planifier leurs objectifs financiers ou de sport. Il existe déjà un marché énorme pour ces modèles et certaines personnes gagnent même plus de 100 000 euros par an en vendant leurs templates. Et si tu veux voir un exemple, j'ai mis un modèle gratuit dans la description pour te montrer à quoi ça ressemble et comment ça marche. Et la meilleure chose avec ces modèles Notion, c'est que tu as même pas forcément besoin de montrer ton visage parce qu'un simple compte TikTok ou Instagram dans la niche de la motivation te suffira pour vendre des modèles Notion pour plusieurs milliers d'euros au total. Ensuite, les cours vidéo et les formations en ligne sont des produits digitaux classiques, mais aujourd'hui, ils vont être encore plus puissants si tu les combines avec ta propre communauté payante. Si tu crées un gros pack qui mélange ta communauté payante avec des formations en ligne, eh bien, tu vas pouvoir vendre ça ultra cher. Et tu vas faire des sommes astronomiques. Imagine que tu es un coach sportif. Au lieu de proposer une formation seule, tu pourrais la vendre avec un accès à une communauté privée sur Discord, où les membres pourront partager leurs progrès, poser des questions, mais aussi s'encourager. En fait, en ajoutant cet élément de communauté, les gens voient beaucoup plus de valeur dans le produit parce qu'ils ressentent et ils bénéficient du soutien et de la motivation des autres. Et c'est justement aussi une des raisons pour laquelle la plupart des gens disent que les formations toutes seules sont des arnaques. Parce qu'il n'y a pas cet esprit de communauté. Avec une communauté, tu pourras proposer un espace où tes clients verront le succès des autres, se tenir responsables les uns et les autres et ainsi progresser plus rapidement. Si tu cherches un produit qui est beaucoup plus rapide à créer et qui a un énorme potentiel, ça va être les e-books. Au début, moi aussi, je pensais complètement que les e-books étaient dépassés, mais un ami m'a montré qu'il avait fait plus de 100 000 euros de ventes en publiant des e-books de manière totalement organique, sans publicité payante. Un e-book, c'est rapide à créer et il peut aussi te servir pour attirer de plus en plus de clients dans ton business. Imaginons que tu as des connaissances plutôt solides dans le business en ligne. Tu pourrais écrire un e-book avec des stratégies simples et efficaces pour lancer un business rentable. Et ce qui est intéressant avec les e-books, c'est que tu peux non seulement faire des ventes directes, mais aussi récupérer les emails de tes acheteurs. Ça va te permettre de créer une newsletter et donc de construire une base de clients potentiels
pour vendre des produits plus chers par la suite. Et si tu veux faire quelque chose que tu peux vendre plus cher sans forcément montrer ton visage et sans avoir à faire beaucoup d'efforts en plus, tu peux aussi proposer des outils d'automatisation pour les réseaux sociaux. Parce que gérer ces réseaux sociaux, ça peut prendre énormément de temps et beaucoup de gens cherchent des moyens de simplifier leur travail. Vendre des outils qui automatisent certaines tâches, comme par exemple les réponses aux messages, la planification des publications, ça peut vraiment aider les utilisateurs et leur faire gagner beaucoup de temps. Imagine par exemple que tu sais utiliser Zapier ou des bots pour Instagram. Tu pourrais créer un pack de scripts qui permet d'automatiser les réponses aux messages, programmer les publications au meilleur moment. Dans les prochains mois et les prochaines années, ce genre de solution sera encore plus demandée parce qu'elle permet d'optimiser la gestion des réseaux sociaux sans aucun effort supplémentaire. Et finalement, avec l'importance croissante des images et des vidéos en ligne, les packs de photos, vidéos ou de graphismes personnalisés sont devenus un produit digital ultra demandé. Ils sont parfaits pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les influenceurs qui ont besoin de visuels de qualité sans avoir à les créer eux-mêmes. Parce que oui, certes, tu as des vidéos et des photos de stock qui sont gratuites, mais la qualité, même si elle est bonne, en fait, ça rend vraiment faux et c'est vraiment pas professionnel. Maintenant, pour bien vendre des produits digitaux, la première étape, ça va être de commencer à construire une audience. Donc comme je t'ai dit, j'ai une vidéo qui te montre exactement comment passer de 0 à 100 000 abonnés sur Instagram. J'ai une formation TikTok, mais tu devras passer 1, 2 à 3 semaines pour créer ton audience et commencer à créer une base de prospects potentiels pour vendre tes produits digitaux. Ça va être ton plus grand atout pour vendre tes produits parce que sans audience, honnêtement, ça va être très difficile pour toi d'atteindre 5 ou 10 000 euros par mois. Je pense qu'Instagram et TikTok, ce sont vraiment les meilleurs moyens de créer une audience rapidement. Instagram convertit un peu plus que TikTok, mais si tu veux un taux de conversion ultra élevé, il va falloir que tu fasses des vidéos long format, que ce soit en montrant ton visage ou pas, mais il va falloir que tu fasses des vidéos long format sur YouTube. Après, si tu n'as pas envie de le faire, tu peux très bien atteindre 5 à 10 000 euros par mois avec Instagram et TikTok. Ensuite, une fois que tu commences à grandir sur les réseaux sociaux, la première chose à faire, ça va être de lancer un produit digital gratuit. C'est ce qu'on appelle un lead magnet et c'est ce qui va te permettre de récupérer l'adresse email des gens pour ensuite lancer une newsletter et leur vendre des produits plus chers par la suite. Ça, c'est parfait parce que tu auras toujours une liste de prospects chauds qui sont intéressés par ton contenu, par ce que tu proposes, même si par exemple, tu es banni sur Instagram ou sur TikTok. Et c'est ensuite, dans un deuxième temps, que tu vas pouvoir lancer un produit digital payant. L'idée, ça va pas être de faire la promotion de ce produit payant tous les jours sur tes réseaux, mais plutôt de proposer encore une fois le lead magnet et les gens qui sont vraiment intéressés par ton produit, eh bien, ça va être les gens qui sont sur ta newsletter. Donc, tous les jours, tu vas envoyer des mails et si tu le fais bien et intelligemment, eh bien, tu vas tout simplement réussir à faire des ventes à chaque fois que tu envoies des mails en proposant le lien de ton produit en bas de page. Alors voilà, c'est le plan exact qui m'a permis de générer de l'argent avec une petite communauté et toi aussi, tu peux y arriver. Alors, je te conseille de te lancer dès aujourd'hui. Le seul problème, c'est que cette vidéo t'aura servi à rien du tout si tu connais pas toutes les étapes pour te lancer. C'est pour ça que je te recommande de cliquer sur les deux vidéos qui s'affichent à l'écran dans lesquels je t'explique tout de A à Z, ça va énormément t'aider. Je te souhaite tout le courage et tout le succès dans ton aventure des produits digitaux. À bientôt.